bienvenue ici à Coubertin où pour la première fois vous allez assister ici à Paris à la finale du tournoi des As, quatrième du nom. Vous avez vu les quatre entraîneurs des quatre équipes qualifiées pour le tournoi des As. Deux sont très heureux. Il s'agit d'Alessandre Gomelski, l'entraîneur de Limoges, et de Michel Gomez, ex-entraîneur de Limoges, entraîneur cette année de Pau Orthez, qui se retrouve donc en finale de ce quatrième tournoi des As. Michel Gomez, c'est une grande habitude pour vous, puisqu'avec Limoges, vous avez été combien? Trois fois en finale, hein? Trois fois en finale, c'est la quatrième, et je l'ai gagné deux fois. On dit toujours jamais 203. C'est la première pour Pau Orthez. Et j'espère que hier, les joueurs ont tout donné pour être en finale, et j'espère que ce soir, ils auront le gâteau. Alors, en championnat, il y a eu une victoire de Limoges à Limoges, une victoire de Pau pour l'inauguration, on s'en souvient, du Palais des Sports de Pau, donc c'est la belle pratiquement. Oui, c'est la belle, et là, pour nous, on va voir ce que l'on veut. Enfin, c'est une équipe de Limoges qui a été reconstituée avec un nouvel Américain, et une équipe de Limoges qui revient très fort pour les playoffs. Oui, à savoir que si Michel Gomez remportait avec Pau Orthez, ça serait une belle histoire. Et oui, ce serait une très belle histoire, mais une chose à noter tout de même, désormais il y a une certitude, les deux équipes finalistes de cette poule des As sont européens. Alexandre Gomelski, now you are sure, next year you will be European, it was the most important thing for you. But yesterday, after the game, you said, Cholet is a very good team. Hier, après le match contre Cholet, un match superbe, vous avez dit que Cholet était une très belle équipe. What do you think about Orthez? Orthez is a nice team. And good coach Gomez. Good coach. Because Gomez knows Limoges. He worked with Limoges many times. He knows every player, knows system. First game in four, we lose many points. I like it to win today in revanche. Thank you, Alexandre. Et Alexandre Gomelski qui dit que, attention, Michel Gomez connaît par cœur le jeu de Limoges et pour cause, c'est lui qui l'avait façonné ces 4 ou 5 dernières années. Alors Gomelski méfiant, il se souvient de ce match à Pau pour l'inauguration du stade de Pau, de ce merveilleux palais des sports, où Pau avait été très nettement vainqueur face à Limoges. Gomelski a peur d'Orthez, il l'a dit, mais hier il avait un peu peur de Cholet, ils ont fait un super match les Limougeaux. En fait, c'est un peu un retour en arrière historique. Orthez pour Orthez contre Limoges, on s'en serait pas du tout douté, Bernard Père. On avait plutôt songé à Antibes Cholet, c'était les faveurs du pronostic. Oui, en tout cas, c'est une grande classique. Hein. C'est la plus grande classique de ces 10 dernières années dans le basket français. Les deux arbitres, de cette rencontre, c'est le gratin de l'arbitrage français, à savoir messieurs Marzin à gauche et monsieur Malabio, qui vont donc avoir la tâche difficile car ça va être un match musclé très certainement entre ces deux équipes qui se connaissent bien. L'ami Michel Gomez connaissant bien toutes les techniques de Limoges et de l'autre côté Gomelski ayant vu que du côté de Pau Orthez il y avait quand même certaines choses à faire. Donc un match très ouvert avec dans une minute très exactement le coup d'envoi qui sera précédé d'une minute de silence à la mémoire de Robert Busnel. Vous savez, Robert Busnel qui a été l'homme, le grand homme du basket français avant la guerre et après la guerre. C'est lui qui il a été international, bien sûr. Il a été entraîneur de l'équipe de France qui avait obtenu la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres. Il a été président de la Fédération française, président de la Fédération internationale. Bref, c'était Monsieur Basket en France. À one man, rebound, rebound, get back defense. OK, five offense, Orlando, only side, OK, d'accord, five wide, OK, one, one, duel, OK, let's go les gars, hein. Smith, OK, let's go. Très remonté les Orthésiens, vous en doutez. Avec Michel Gomez qui demande à ses grands d'aller au rebond, mais aux trois autres de travailler le repli défensif. Et ça risque d'être capital face à Limoges. On connaît la victoire, la rapidité d'exécution en jeu de transition de Limoges. Ce sera l'une des clés du match, le repli défensif de l'équipe de Pau Orthez. Alors les 10 joueurs sont sur le terrain avec les deux arbitres et ça va être la minute de silence donc à la mémoire de Robert Busnel. Je vous demanderai de conserver une minute de silence symbolique à la mémoire de Joël et de Robert Busnel. De vous lever et de porter votre regard sur les deux sièges qui sont vides et qui les attendront toujours. Merci.
Merci beaucoup. C'est peut-être une vraie émotion dans cette salle. On a eu un silence très dense. Et c'est vrai qu'on a une pensée toute particulière pour M. et Mme Roger-Dufresne. Oui, vous avez pu voir les images que nous devons à notre ami Georges Dominique des Fertrois. Donc, retour au sport avec le coup d'envoi de cette rencontre et un ballon qui est pris par Philips. Et Nodo, donc les Orthésiens qui jouent en blanc, puisque vous le savez, les deux couleurs, les couleurs des maillots pour les deux équipes sont les mêmes. C'est-à-dire qu'ils jouent tous les deux en vert, mais en blanc, ça porte bonheur. Orthez qui vous la marque par Philips, qui avait marqué plus de 30 points lors de l'inauguration du match de Pau. Vous en souvenez sans doute. 2-0 donc pour l'équipe de Pau. Orthez, alors qu'attaque de Demory. Demory qui va jouer avec Smith, le nouveau venu. Clinton Smith pour Brooks. Remarquable hier, Brooks, contre Cholet. Ballon pour Limoges. Donc Limoges qui présente Demory, Smith, Brooks, Dakoury, Ostrowski. Et de l'autre côté, nous avons Deganis, Gadou, Jones, Phillips et Nolo. Demory, de partout. Lui aussi, il a été bon hier, Valérie Demory. Il a mené son équipe comme il se doit. Et là, face à Pau Orthez, il n'aura aucune arrière-pensée, même si l'on sait que l'an prochain, il doit jouer du côté de Pau Orthez. Oui, même si... Les mutations se font à partir du mois de mai. Hein. Les choses se savent rapidement. Donc 3 secondes de Phillips dans la raquette. Et ballon donc pour Limoges qui attaque avec Ostrowski. Ostrowski Demory. Demory Smith qui est un garçon assez complet. Mis à part le fait qu'il est très très maladroit comme vous pouvez le constater. Oh, alors avec une faute de Gadou. Oui, Clinton Smith un peu décevant hier au niveau de l'adresse. C'est vrai qu'il participe très bien au jeu défensif limougeot. Mais ce n'est pas un modèle d'adresse, surtout dans ses positions. Et c'est assez surprenant d'ailleurs de la part d'un joueur américain. Enfin hier, c'est surtout le collectif limougeot qui l'a emporté. Même si Brooks, vous l'avez dit, Frosty, ont été les héros de cette rencontre. Voilà. Pourtant, il avait été bon, lancé franc, l'ami Smith, hier. Mais là, ça démarre mal. Je vous le disais, mais c'est Ostrowski qui a pris le rebond. Oh là là, problème du côté d'un bon pas, bonne passe de Bruce à Smith qui marque donc 4-2 pour l'équipe de Limoges. Ballon pour Nolo. Et tir à 3 points de Gadou, c'est raté. Deganis se rebond finalement, un ballon qui revient dans les mains d'Ostrowski. Ostrowski face à Deganis, joue avec Smith qui rate. Superbe bon. Deganis, Nolo. Nolo Jones. Voilà, je pense que la clé du match est là. Jones au rebond, au contre et pour finir l'attaque, c'est le l'atout numéro 1 de Pau Orthez. Ah, hier, il a fait fort, très fort, notamment en deuxième mi-temps, au contre et en contre-attaque. Il avait vraiment été exceptionnel, Jones. Ballon pour Smith avec une nouvelle faute de Didier Gadou. Et c'est la deuxième. Hein. Oui, attention, deuxième faute de Didier Gadou. Il a un rôle important, défensivement notamment. Et tout de suite, eh bien, on va avoir un changement du côté de Pau Orthez, puisque c'est Gadou qui va remplacer Gadou. Oui, Thierry remplace Didier. C'est-à-dire qu'un peu nerveux peut-être Didier en ce début de rencontre. Et il fait rentrer son frère, un peu plus grand que lui, 2m05 contre 2m02. Et qui a fait une très bonne saison, Thierry Gadou. Demory, Demory pour Smith. Dakoury. Ça ne sera pas 3 points, ça sera 2 points. Et ça fait 6-4. Nolo. Palais des Sports de Coubertin rénové, qui n'est pas plein. Bien garni, mais pas plein. Deganis. Oh. En tête de raquette, Deganis manque rarement ses shoots. Quand il est dans l'axe du panier, il est dans son jardin. Et ça fait 6 partout. Demory. Demory Smith qui pénètre face à Jones, redonne pour Ostrowski. Ostrowski qui va dessous, qui rate, un ballon récupéré difficilement, mais récupéré quand même par Phillips pour Nolo. Nolo Thierry Gadou pour Deganis face à Ostrowski, se fait contrer, ballon pour Smith en contre-attaque. Pour refaire, c'est bien joué. Oh, c'est bon. Il nous remontera quand on aura le temps et on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il n'y a aucun temps mort dans cette rencontre. Deganis, Deganis Nolo, Nolo, faute de Demory.
Allez René, on va revoir cette passe volée qui démontre tout le jeu collectif avec Clinton Smith qui s'est écarté du panier sur la droite. Regardez, pour donner une passe avec cette passe volée de Michael Brooks pour Richard Dacoury. Richard Dacoury qui passe derrière le défenseur Gadou et qui marque. Superbe panier de Richard Dacoury. Et ça fait 8-6 pour Limoges, mais ballon en ce moment entre Demory et Jones. Et Jones qui râle après Monsieur Marzin parce qu'il estime qu'il y avait... Ah ben non, finalement, 3 c'est secondes. Même pas. Ouais, Monsieur Malabio change la décision en donnant 3 secondes, donc balle à Limoges. Oui, alors que Jones estimait qu'il y avait faute contre lui, mais enfin bon. Demory. Dacoury. Dacoury. Oh, bonne passe derrière pour Smith, pour Ostrowski. Ostrowski pour Smith. Très belle défense avec 3 secondes. Oh là, il y en a beaucoup, hein, des 3 secondes. Gomez, il rigole parce qu'il l'a réclamé en compensation, il l'a obtenu. Ça fait un bon match, Bernard. Hier, on s'est régalé. Ah oui. Reconnaître. Le Cholet Limoges était somptueux. Et là, on semble parti sur les mêmes bases. Oui, oui. Et en plus, on a eu le gratin. Et derrière, on aura un autre match que vous ne verrez pas, vous, devant votre poste de télévision, avec une faute de Brooks, là. Le match des perdants, qualificatif peut-être pour une Coupe d'Europe entre Cholet et Antibes. Et tout ça préfigure des play-offs qui commenceront dès la semaine prochaine pour le titre de champion de France, celui-là. Deganis. Deganis pour Philips. Oui. 4 points Philips et ça fait 8 partout. Ostrowski. Oui, bien joué. Et Ostrowski, pour votre information, accuse tout de même 38-5. Il a une angine, Stéphane. Il avait 38-5 hier soir. Ça lui réussit. C'est pas 37 de le matin. Deganis. Oh, Deganis. Il est en train de renégocier son contrat, Jean-Luc. Alors, ah, il a encore un an. Qu'il regarde. Il a encore non, un an. Il a une cause. Absolument. Demory. Demory pour Smith. Ostrowski. Face à Deganis. Stéphane déchaîné. 2 sur 3 pour Stéphane. Et 12-10 pour Limoges. Nolo. Nolo. Oh, qui a voulu essayer de passer en force face à Demory. Et smash de Smith. Et 4 points d'avance pour Limoges. Jones face à Demory et Dacoury. C'est Demory qui prend la faute. Exactement. Dacoury était main levée, bien immobile. On va le voir là, cette contre-attaque avec ce smash de Clinton Smith. Qui a un dribble assez particulier. Il pousse sa balle très loin devant lui. Ouais. Et il réussit son smash de sa fameuse main gauche. Pas très élégant, mais assez efficace en défense en tout cas. Et au rebond, les interceptions aussi, la preuve, mais même si c'est raté. Une équipe d'Orthez un peu plus nerveuse que celle de Limoges, semble-t-il. Dire qu'elle a moins l'habitude des grandes rencontres aussi. Hein. Philips. Philips qui récupère et qui marque. Une belle paire d'Américains, les Orthésiens, cette année. Oui, et John Sarsigné pour Orthez la saison prochaine. Philips soit encore. Et le président Seyant, vous regardez les deux. Ostrowski. 14-12 pour Limoges qui a la balle. Ostrowski face à Deganis. Et Demory, Dacoury, la balle est sortie. Et là, ça sent très ballon perdu pour Limoges. Avec un match très serré, hein, comme on l'espérait. Ah ouais. Les deux équipes qui ont bien du mérite parce qu'elles ont eu un début de saison assez difficile avec des recrutements hasardeux, notamment du côté de Limoges. Ont vraiment du mérite. Joueurs et entraîneurs ont vraiment du mérite d'évoluer avec autant de sérénité, avec une direction de club qui a fait autant d'erreurs cette année. Oui, c'est dommage parce que finalement, ils ont terminé bon dernier de la Coupe d'Europe des clubs champions. Donc pas de finale fort qui aurait été vraiment, on peut le penser, en tout cas une fusée qui aurait propulsé le basket français à un bon niveau. Et là, Limoges a complètement raté sa Coupe d'Europe par un mauvais recrutement. On l'a dit et répété, tant au niveau des entraîneurs, enfin le choix des entraîneurs. La tire de Thierry Gadou, de Moré en contre-attaque pour Ostrowski avec Dacoury. Et Dacoury, avec une petite faute de Nolo que les arbitres n'ont pas sifflé. Pour terminer avec l'épisode du Mougeot, il faut rendre hommage aux joueurs et au public de Limoges qui a su rester toujours à la hauteur malgré tous ces errements dont nous parlions. Jones, non, mais qui prend le rebond quand même et avec une faute de Dacoury, oui. Très correct le match, Bernard. Peu de fautes et un bon esprit. Comme hier, il faut le noter, dans le Cholet-Limoges. Un match très physique, superbe.
mais sans jamais un geste ou un mot déplacé. Très très beau spectacle. Ouais, des équipes qui se livrent à fond. Et vraiment du très bon basket. Nolo. Oh Nolo, mauvaise passe. Jones qui a cru en fait que Nolo allait aller au panier. Et Demory qui remonte la balle. Demory pour Smith. Ostrovski. Avec Demory qui a reculé, qui est venu se heurter à Deganis et qui a reculé de 4 mètres. Vous l'avez vu. Un ballon pour Thierry Gadou là qui va se matcher. Non. Eh non, non. Et il marque son premier panier, si bien qu'il revienne à 16-14. Oh, Dacoury, 3 points, super. 9 points déjà Dacoury, hein. Et 19-14 pour Limoges Phillips avec une faute de Brooks, c'est sa deuxième. Et vous savez que le tendon d'Achille de cette équipe de Limoges, c'est les fautes qui, quand elle s'accumule sur Brooks et Ostrovski, car il n'y a pas de banc. On parlait du recrutement tout à l'heure, mais il n'y a pas de banc. Si bien que quand Ostrovski et Brooks ont beaucoup de fautes, eh bien l'équipe de Limoges ne peut pas défendre. Phillips, c'est pas son truc, hein, le lancer franc. Déjà hier, il en a raté beaucoup. 19-14 pour Limoges. Non. Et Dacoury a récupéré avec la complicité de Brooks ce ballon pour Demory. Demory bien joué, mais faute. Gadou. Gadou qui a accroché Valérie Demory. C'est sa première. Ça fait 5 fautes pour Limoges, 3 fautes pour Portes. Smith. Avec une faute de Jones maintenant. Bien vu Smith en 1 contre 1 là, face à Jones, il l'a bien provoqué. Deux joueurs qui ont à peu près le même gabarit, Jones étant beaucoup plus puissant sous les panneaux. Oui, plus adroit aussi. Ça a remarqué, être plus maladroit que Smith, c'est vraiment difficile. Enfin, il est assez efficace dans le jeu. Dacoury Ostrovski. Il sort à Deganis. Non. Très bonne défense. Oui. Nolo. Nolo pour Deganis, mais le ballon était un peu loin. Il n'a pas pu le contrôler. Et ça repart pour Limoges qui mène toujours 19-14, donc 5 points d'avance. Ballon pour Brooks, oui. Et ça fait 21-14. Ce sont les deux premiers points de Brooks. Oui, et Gomez a demandé un temps mort, bien sûr, parce que il n'y a pas le feu, mais enfin, il ne faut pas laisser Limoges prendre confiance du côté de Portes. Phillips, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette passe ? N'importe quoi du côté orthésien, n'importe quoi. Pour Demory, oui, c'est facile ça, mais ça n'a pas rapporté gros, puisque Nolo récupère. Il faut reposer le jeu côté orthésien. Phillips, Deganis, oh non. Et Ostrovski rebond. Ça joue mal du côté de Pau, là, et Dacoury. 11 points. Ça va pas très bien là, 23-14, 9 points. On va écouter Michel Gomez, bien entendu. Tout le monde s'assied. On n'a pris que des échalotes à Béla. Et on n'a pris que des paniers sur des replis défensifs. D'accord ? Concentration sur le repli qui attaque qui fait. On n'a pris que ça. Que ça, on a pris. D'accord ? Alors, on revient au niveau défensif. On se concentre. Patience en attaque. Mouvement. 3-4 passes. Travailler en écran. D'abord le repli. Contester la défense et la position préférentielle. D'accord ? On n'est pas assez dur en défense. Get back. Let's go. Eh oui, c'est vrai. Repli défensif, on vous en parlait dès les premières secondes de la rencontre. C'était une des clés du match. C'est vrai, Cortez est battu en repli défensif. Et puis, peut-être pas assez attentif également. Ça s'annonce pas très bien pour l'instant. Ah, pourtant, hein, 64-63, la réussite, c'était vraiment c'était un pourcentage hyper intéressant. Et 23-14, ça fait 9 points, dont 11 points de Richard Dacoury. Gomelski est content, lui, par contre. Alors, il faut se reprendre du côté de Portes avec Deganis.
Dennis Jones avec une interception de Richard Decourie là. Et oui. Ah, il faut bien dire qu'on les sentait monter en pression. Il a enflammé Coubertin. Dribble main droite, dribble main gauche pour un smash. On les sentait monter en pression. Jones à 3 points, c'est raté. Oui, ça va être le grand problème. C'est qu'on va essayer du côté de Poortes de revenir avec des paniers à 3 points. Et si ça rentre pas, ce sont des ballons pour Limoges. Et ça fait 25-14, 11 points d'avance. Et ballon pour Limoges avec Brooks. C'est raté de Gagny. C'est finalement Thierry Gadou. On est nerveux. Hein. Nolo de Gagny. Ah, c'est bien fait ça. Ouais, pour Phillips. Bonne passe de Gagny pour Phillips. De Gagny qui aurait pu shooter malgré la défense de Dakoury. Il a préféré assurer avec Phillips. Bonne lucidité. Il en faudra pour revenir. Avec donc 25-16, 9 points d'avance et le contre. Oh, que c'est sévère. Oh oui, Malabio, monsieur c'est Malabio. C'est pas possible, on peut pas accepter un contre pareil. Deuxième faute de Jones. Montrez-nous ça, René, ce contre parfait de Jones. Malabio doit lui reprocher d'avoir fait un déplacement de bassin. Regardez. Oh, c'est pas vrai, il n'y a pas faute. Monsieur Malabio le reverra en ralenti et il le verra. Il n'y a pas faute du tout. Non, là c'est dommage, c'est tellement dans l'esprit basket que de contrer comme ça. Un seul lancer franc réussi et ça fait 26-16, 10 points d'avance pour Limoges. Et ballon pour Nolo donc. Nolo face à Demory. De Gagnis. Oh là là, De Gagnis. Ça c'est une mauvaise passe, c'est plus une mauvaise passe qu'une interception. Ostrovski, non, De Gagny se rebond, Nolo. Nolo pour De Gagny Phillips. Nolo, voilà, on se calme comme l'a demandé Michel Gomez. Jones face à Smith. Et faute à Smith, sa première faute. Anderson va rentrer à la place de Deganis et Julien à la place de Demory. Jones donc au lancer franc, 10 points de retard pour Poortes. Oh là là, puis en plus de ça, s'il rate les lancers francs. 1-0 sur 3, ils n'ont pas encore marqué un seul lancer franc. Voilà, c'est 1 fait. Sur 4, voilà. Ok, c'est pas mieux pour Limoges. Hein. 25% pour les deux équipes pour lancer. 1 sur 4. Julien face à Nolo. Julien qui est passé là. Faute de défense énorme de la part de Poortes. Et Julien marque son premier panier. 11 points d'avance. Nolo. Anderson, Thierry Gadou, Phillips. Oh là là, complètement raté son tir. Phillips qui a été essayé de provoquer Brooks. Ah, pour l'instant, il n'y a plus de match là. Hein. Non, il ne sait plus où il sort. Anderson, bonne interception d'Anderson par contre. Avec Nolo. Jones. Ouais. Ah, il est fort, il est très fort. Toi. Et 28-19, 9 points d'avance pour Limoges. Julien. Et Fautou va rentrer, le très jeune Fautou. Ah, il a un avantage, Fautou, c'est que c'est un jeune meneur de jeu, mais qu'il est très adroit en plus, contrairement à Nolo qui ne tire jamais. Interception de Jones pour Anderson. Voilà. Alors Fautou, c'est le meneur de jeu de l'équipe de France Junior, avec un temps mort ici. Demandé par Limoges qu'on va les rejoindre. On va aller écouter Gomeski et Vera. Ok. You stop talking, everybody, listen to me. Clean. Listen, clean. You stay here. Reach here. Pascal, give
combination. You free pass him, okay? He one quarter one go and look step. And Michael, you take ball, not shoot. Feet and inside go, you know? Not long shooter. Maximum look step, everybody. Okay? And not lose ball. You, it's okay, boy. Oh, ils sont remontés, les Limougeaux. Et Domori est en train de les... leur dire qu'il fallait se calmer. Là, il y a une petite mésentente, là, mais ça fait partie de la vie d'un club aussi. C'est que chacun veut bien faire. Et là, il y a un petit grognement. Oui, on vient de revoir le panier de Julien, là, qui avait perforé la défense de Fuertes. Fuertes qui est mené de 7 points maintenant. Ils sont un peu revenus. Depuis le retour, la venue d'Anderson avec le petit photo, donc avec... Julien qui a fait un peu le ménage là devant Monsieur Marzin. Très énervé parce que Julien, il y a un petit problème dans l'équipe, mais c'est normal ça. C'est pas dans le match, hein. Il y a des passions. Alors Fautou, il n'est pas très grand, mais vous allez voir que s'il peut le faire, qu'il est très adroit. À Smith qui nous fait. Ah mais vous voyez qu'il va au rebond et qui marque quand même. C'est un bon moment de Smith, Smith va à droite dans ce coup-là, mais qui vient récupérer son rebond. 30 à 21, 9 points d'avance pour Limoges. Jones qui ressort pour Fautou. Photo pour Thierry Gadou face à Dakouré pour Anderson à 3 points. Non. Et c'est Julien qui est au rebond. Il n'y avait personne. Philippe était un peu sorti. Oh, Smith qui est bien parti là. Ressort Dakouré, Julien. Brooks. Smith qui tire. Complètement raté, mais le ballon a été contré quand même. Photo. Oh, le contre de Dakouré. Avec une faute de Dakouri, tiens. Oui. Ah bon. Tout à l'heure, la faute qui a été donnée à Jones m'a choqué, celle-là aussi. Mais enfin, c'est pas très important, ça fait un parti. Oui. Mais c'est vrai que ces contres sont tellement beaux, Richard était bien placé là pour le contre. Donc, Fautouk sur lancer franc. Dakouri est sorti et c'est Dancy qui est rentré. Fautouk qui réussit, lui, par contre. Son lancer franc, contrairement à ses aînés tout à l'heure. Ah, ça sera court, ouais. Et Brooks pour Ostrovski. Et ça fait 30 à 22, 8 points d'avance pour Limoges qui a la balle. Avec Smith. Smith, Brooks, Julien Dancy. Dancy, Smith. Ostrovski. Non, mais Ostrovski a récupéré. Il a pris le rebond et ça fait 32-22, 10 points à 6 minutes 35 de la fin. Fautoux avec un bon bloc de Phillips, ça va le récupérer par Jones. Pour Philippe, c'est bien joué ça. Ah ouais, très bien, parce qu'il fallait la passer cette défense qui vous jaune. C'est pas facile, croyez-moi. Limoges fait une très très grosse défense aujourd'hui. Ah, ils sont remontés, je vous le disais, ils sont montés en pression. Ils ont abandonné leur chance de Coupe d'Europe depuis très longtemps. Et ils sont montés en pression en championnat et ils voulaient être prêts pour se prendre les As. Hier, ils ont battu Cholet, qui est très certainement la plus complète en fait, l'équipe la plus complète. Et là, face à Fuertes, Anderson. Qui n'est pas d'accord non plus. Mais vu d'où on est là, c'est pas évident tout ça. Hein. Enfin bon, les arbitres sont mieux placés. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça fait 6 fautes pour Fuertes et 7 pour Limoges qui attaque avec Julien. Qui oublie la balle, mais heureusement pour Limoges, il retombe dans les mains d'Ostrovski. D'autre côté pour Julien. Brooks. Non, Ostrovski, Anderson finalement. Jones, Anderson qui ressort Phillips, le petit Fautoux. Anderson, Thierry Gadou. Ah, ils ont du mal, ouais, la défense. Très très haut. Allez, Fautoux. Pour bien joué, pour Phillips, très bien.
La solution est là par le jeu intérieur et par Phillips en position préférentielle. Ortez a longuement étudié le jeu de Limoges. Avec une défense pareille, c'est pas facile de passer. Et ça fait 6 points, ils sont à 6 points pour Ortez. Hein. 5 minutes de la fin. Smith, Ostrowski. De l'autre côté, Julien, 3 points. Non, ça n'a pas marché. Brooks au rebond. Et Dancy. Dancy pour Ostrowski, sans le vouloir, contre Evo. Bien joué Phillips, malheureusement pour lui. Il a cherché Thierry Gadou, il a trouvé Julien. Julien pour Dancy. Non, et au rebond, c'est encore Julien. Incroyable, le rebond que prend Limoges. Regardez, tout seul. Ah, bien joué. Mais il y a des erreurs de défense inadmissibles de Cortés. Faute d'Anderson. Deuxième. C'est incroyable. Ortez joue avec son cœur, Ortez joue bien. Mais il y a des impasses en défense. Regardez comment Brooks a pu se retrouver là, tout seul, en position préférentielle. Tironet veut nous le remontrer. C'est vraiment étonnant de se trouver à la conclusion de cette contre-attaque, aussi isolé. Tiens, même nous, Bernard, même moi, nous n'aurions rien marqué. Ah bon. Et Don Brooks avec une coiffure new look au lancer franc. Premier réussi, 3 points pour Brooks. Ça fait 33-26. Et 34-26. 8 points à nouveau d'avance avec une faute de Julien. Ça sera 2 lancers francs pour Fotoux. Eh oui, tout ceci noté par Gérard Bouscarel, notre ami de la République des Pyrénées. Et qui pourrait bien être l'objet d'un gros transfert cette saison, on n'en dira pas plus, mais ouais. Même si Ortez, pour Ortez, est européen l'an prochain, ce qui est maintenant une certitude, il n'est pas dit que l'un de ses piliers ne change pas de club également. Oh. Ah oui, à suivre ces prochaines semaines, le sort de Gérard Bouscarel. Oh, il y aura de la surenchère là, à mon avis. Hein. Ah oui, mérite. Fotoux. Fotoux, premier lancé franc réussi. Et le deuxième aussi. 3 points le petit Fotoux, c'est 34-28. À nouveau 6 points d'avance pour Limoges, qui attaque par Julien. Dakouré qui est revenu donc à la place de Smith. Ostrowski. Non. Et rebond finalement, c'est Phillips. Orlando Phillips qui a pris la balle pour Fotoux. Fotoux Jones. Oh la faute! Comment peut-on ne pas siffler ça? Finalement pour Pau Ortez. Oh, Dancy et Thierry Gadou qui restent calmes, Thierry Gadou. Et ballon pour Jones face à Dakouré. Voilà, qui a voulu chercher Phillips et c'est Brooks qui est intervenu pour Dancy. Brooks. Ah oui. Magic Brooks. Et à nouveau 8 points, alors qu'ils ont eu la possibilité de revenir à 4 points du côté de Pau. Fotoux. Phillips. Oh là là, regardez ce marquage épouvantable. C'est difficile, Fotoux. Anderson, ça sera 2 points. Il y a une chose qui peut compter, Bernard, c'est la fatigue. Hein, parce que Limoges a joué tard, joué hier soir, alors que Ortez jouait plutôt l'après-midi. Et puis à Limoges, vous le soulignez tout à l'heure, Bernard, il n'y a pas un très gros banc en ce moment. Ça peut compter en deuxième mi-temps. Julien qui ressort pour Brooks. Et Fotoux, interception avec une attention de Brooks. Oui, c'est logique. Absolument. Et oui, désolé Michael, mais c'est logique. Absolument. Il le sait Michael, il sourit. Là. Mais il le sait, il a essayé d'attraper. Mais attention, c'est sa troisième faute à Brooks. Et c'est ce bon Sétier qui va rentrer. Sétier, d'origine lyonnaise, il est lyonnais, je l'ignorais. Ses parents sont venus me le dire tout à l'heure. C'est une information importante quand même. Oui. Non, ça vous... Absolument, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Attention, parce que vous allez vous mettre tous les Lyonnais à dos. Non, mais Sétier donc est lyonnais, il sort à la place de Michael Brooks. Alors, et Demory rentre aussi. Ça fera donc 2 lancers francs.
et le ballon et pour le ballon, ouais. Et ça change tout. Hein. Et oui, parce qu'ils sont à 6 points, là, regardez. Vous n'êtes pas surpris, Bernard, par le petit écart au score. Il me semble que Limoges domine vraiment ce match et que l'écart n'est pas aussi important que la physionomie de cette première mi-temps nous le laissait penser. Ortez s'accroche. Et Fautou, il baisse lancer franc, il en est à 5, tranquillement. Et voilà, 4 points d'écart entre les deux équipes à 3 minutes 8 de la fin. Et ballon pour Ortez qui peut revenir à 2 points sur ce coup-là. Anderson. Philippe qui ressort sur l'auto, il peut tirer à 3 points, il n'a pas osé. Ah non, oh là là, ils étaient 4, vous avez vu le rebond ? Ah oui. Ils étaient 4 Limougeaux. Sur cette pénétration de Fautoux. En tout cas, 4 points d'avance pour Limoges qui attaque avec Dakoury. Dakoury, bien défendu par Thierry Gadou, ballon pour Ostrovski. Ostrovski qui perd la balle. Et ouais. Tout seul. Et Smith va revenir, je crois bien. Et... l'occasion pour Ortez de revenir à 2 points. Et oui, le problème pour Ortez, c'est de faire douter Limoges. Parce que Limoges, quand Limoges a eu 12 points d'avance, c'était difficile pour eux. Finalement, ils se sont bien accrochés. Et ballon pour Jones qui donne à Thierry Gadou. Oh oui. Ah non, il a mis de cartouche. Ah dommage, beau geste technique. Avec deux changements, Brooks, les deux Américains reviennent, Brooks et Clinton Smith à la place de Stéphane Ostrovski et de Ken Dancy. Retour de Brooks avec trois fautes, c'est un pari des coachs Gomelski et Vera. À 2 minutes 18 de la fin, c'est risqué, oui. Enfin, parce que s'il prend sa quatrième juste à la mi-temps, ce serait problème. Dakoury, toujours avec Thierry Gadou qui défend bien sur Richard. Smith, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à défendre au-delà de la ligne des 6 mètres, 25. De Maury, ah là, qui a de la réussite. Il avait perdu la balle, mais il peut la récupérer. Sétier, De Maury, Brooks, pour Sétier. Oui, oui, Sétier. C'est très bien, c'est pas facile de rentrer comme ça. Il a joué quelques matchs en Coupe d'Europe et ça lui a fait du bien, visiblement. Ouais, faute de Sétier, par contre. Là, il a mis tout son cœur dans cette défense, mais son cœur était un peu trop gros. Et donc Orlando Phillips sera au lancer franc, 38-32 pour l'équipe de Ortez. Voici Sétier. Il n'y a pas de raison de ne pas donner leur chance à ces jeunes très tôt, comme le fait Cholet, comme le fait Ortez cette année. Alors Phillips au lancer franc. Premier réussi. Enfin, pourrait-on dire, parce que ça n'a pas été son truc, le lancer franc. 1 sur 3. Eh ben, et 2 sur 4. Ou comment passer de 0% à 50%. Voilà. Et comment revenir à 4 points pour Ortez avec Smith. Alors, Fautoux face à De Maury. Dakoury à 3 points. Dakoury. Fait pas de cadeau à Gomez, son ami Gomez. 16 points. Oh là là, cadeau là par contre. Pour Smith. Fautoux et ballon pour Limoges. Ah, Smith. Gomez qui lui fait signe, mais il faut se matcher. Eh oui, oui, ça, c'est quand il se matche, ça va, mais même à 2 mètres, il arrive pas à les mettre. Ça, c'est incroyable. Ah ouais, pour 37%, 3 sur 8, alors qu'il n'a tenté que les paniers faciles. De Maury, Dakoury, non, Anderson qui a repris la balle pour Phillips. Oh là là, mauvaise passe de Phillips encore sur Jones là, qui était vraiment marqué de très très près. Ça fait 41-34, hein, ils sont 7 points encore d'avance du côté de Limoges avec le ballon pour De Maury, Brooks. Brooks qui ressort pour Dakoury, De Maury, Brooks qui perd la balle. Récupéré par Fautoux maintenant. Il reste 27 secondes, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à la limite des 30 secondes. Eh oui, il va rester 6 ou 7 secondes après à Limoges pour shooter. Ça va être difficile. Il y a beaucoup à jouer pour Ortez là, pour revenir à 5 points. Anderson, Fautoux à 3 points. Non, il a préféré jouer sur Jones. Oh, le contre superbe de Dakoury sur Jones. Il faudra le revoir, ça, Smith.
C'est superbe. Alors vraiment, c'est superbe ce que vient de faire Limoges. Avec d'abord ce contre, regardez Richard. Contre parfait sur la balle. Elle rebondit sur la tête de Richard. Et là, il y a un temps mort alors qu'il reste 2 dixièmes de seconde à jouer. 2 dixièmes de seconde avec un temps mort. Alors, bon, je crois que c'est juste pour embêter les programmes d'Antenne 2 qui nous font ça. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont tous se mettre sous le panneau, puisque vous savez qu'on décompte à partir du moment où le joueur touche la balle, reçoit la balle. Alors, le problème est simple, hein, tout le monde sous les panneaux, et puis voilà. Il y a à peu près une chance sur 1 million que ce panier soit marqué. Voilà. Donc, à la mi-temps, 43-34 pour Limoges. Avec peut-être une petite interview là. Oui, avec Richard Dacoury. On lui court après. Le voici Richard. 16 points. Richard. 16 points. Bon match de Richard Dacoury, mais surtout bon match collectif. Bon, 16 points, c'est pour toi, c'est pas l'écart. Très bon match collectif de Limoges, ça roule. Hélas, le match est loin d'être terminé. Ils sont très accrocheurs. Ils en veulent beaucoup de soir et on est un peu fébrile malgré tout. Donc on gâche pas mal de ballons, mais je crois qu'on leur est supérieur. J'espère que la logique sera respectée aujourd'hui. Très collectif. Oui, ben, on n'a pas le choix avec des paniers pareils. Il faut essayer de s'approcher le plus possible du panier parce qu'ils sont très dur à marquer de loin. Merci Richard. En effet, il fallait souligner une planche, comme on dit, qui n'est plus une planche depuis longtemps, mais qui rebondit beaucoup et qui ramène le ballon et qui ne permet pas les paniers faciles de loin. Alors, un petit retour vers Montaigne. On se retrouve dans quelques instants. Chal et Miran, et bien c'est Chal sous les yeux donc de Richard Diou. Et on attendait beaucoup de la belle entre les dames de Mirande et de Chal jeudi soir à Chal. En réalité, il n'y eut pas de match. Tout avait bien commencé pourtant pour Mirande dans la personne de la soviétique Radkova. Et en dépit de la réussite de la russe de Chal sous Karnova, Jardel, l'entraîneur de Mirande, est serein. Il a raison car ses filles jouent bien pour l'instant. C'est ainsi que Nathalie Etienne inscrit un panier dans un style très pur à l'issue d'une belle combinaison avec ses camarades. Une erreur de Mirande, Olesia Barel, une autre soviétique de Chal est par là et la belle mécanique de Mirande se dérègle. Celle de Chal en revanche tourne à plein grâce à Olga Sukarnova, considérée comme l'une des meilleures joueuses au monde. Sukarnova aligne les paniers avec une régularité décourageante pour l'adversaire. Sous tous les angles, dans toutes les positions, ça passe. 30 points à elle seule au cours de cette finale. Et la supériorité de Chal est telle que l'écart atteindra 40 points à 7 minutes de la fin, 90-50. Un dernier panier à 3 points de Olesia Barel, 110-77. Chal est championne de France pour la première fois. Le règne de Mirande s'est achevé jeudi soir à Chal-les-Eaux. Chal-les-Eaux, un village à 5 km de Chambéry. Voilà Bernard, comment s'est terminé donc le règne de Mirande l'autre jour après 3 ans de titre de champion de France. Eh oui, et comme un malheur n'arrive jamais seul, eh bien vous savez qu'il y avait également jeudi les matchs retour des 8e de finale qui se jouent par match aller-retour, il n'y a pas de match d'appui. Et puis on a assisté donc à deux surprises, notamment l'élimination de Mulhouse et celle de Gravelines. Je vous propose de suivre l'élimination de Mulhouse qui avait 22 points de retard face à l'équipe de Reims. Alors ces 22 points, les joueurs de Mulhouse en blanc vont les reprendre en un peu plus d'une mi-temps avec un pressing forcené, avec une adresse de Toupane extraordinaire. Et puis en deuxième mi-temps, eh bien, ils vont craquer physiquement. D'autant que Wood, l'Américain de service, était blessé. Et finalement, en deuxième mi-temps, malgré encore une fois l'adresse de Toupane, eh bien, les Mulhousiens vont céder. Ils vont gagner cette rencontre, certes, mais de 7 points. Et c'est donc Reims qui rencontrera l'équipe de Pau-Orthez en quart de finale. Et ça, c'est une surprise, car avec les transferts de Soulé, Monetti et l'Auvergne, plus Toupane et autres Kitchen, on pensait que l'équipe de Mulhouse pouvait aller un peu plus loin. On a fait une excellente première mi-temps, on croyait vraiment à la victoire. Et vous pouvez croire que c'est une énorme déception dans tout le cœur des joueurs. On pensait vraiment à la victoire à la fin de la première mi-temps. On est vraiment déçus.
Autre déception, cela se passait cette fois-ci du côté de Gravelines. Gravelines qui a manqué la poule des As de pas grand-chose et qui a même manqué ses huitièmes de finale. Tout de suite, direction Gravelines. Cela se passait également pour ce match retour à Saint-Quentin. Saint-Quentin l'avait emporté de 11 points à Gravelines. Quand vous voulez, René, il fallait donc l'emporter de 11 points pour les joueurs de Jean Gall. Eh bien, pour l'emporter de 11 points, il faut avoir un match avec des points. Ça paraît de la palissade. Mais ce match-là est un des matchs les plus tristes que nous ayons vus. 26-25 à la mi-temps, que des paniers manqués. Et Saint-Quentin qui tire son épingle du jeu avec Chris Singleton, le futur entraîneur de Limoges, dit-on, et qui réussit à aligner des paniers tranquillement et surtout à shooter très très peu et attendre à chaque fois 30 secondes. Ce qui fait que il y a eu très peu d'écart entre les deux équipes et que Saint-Quentin a même réussi à remporter la rencontre. Vous voyez que Jean Gall a de quoi être déçu. Il ne s'attendait pas à tel résultat. Et c'est un drame financier. Regardez, 27-26 à la mi-temps. C'est un mauvais coup pour l'équipe de Gravelines avec son beau Sportica. Alors vous voyez ici, third kill de Saint-Quentin. Saint-Quentin qui va jouer contre Antibes maintenant. Attention pour Antibes. D'abord, le match à Saint-Quentin sera dur. Mais Antibes, qui n'a pas donné une très bonne image hier, devra se ressaisir pour réussir à sortir cette équipe de Saint-Quentin en quart de finale. Saint-Quentin donc, vainqueur 56-55. On retrouve le futur entraîneur de Limoges peut-être. Voilà, j'ai dit avant de venir à Gravelines qu'il fallait absolument dans notre tête dire qu'il faut aller à Gravelines pour gagner et pas pour perdre 10 points. Parce qu'on était incapable de faire ça. Donc ce soir, on a vu une équipe très remontée et qui était décidée à venir à Gravelines et gagner. Si vous allez à Limoges, vous nous ferez des matchs avec plus de 55 points ? Bien sûr, parce que de toute façon, je fais des matchs à 55 points parce que j'ai une équipe pour faire ça. Et tout ce qui m'intéresse, moi, c'est gagner. Donc si je peux aller à Limoges et marquer 120 points et gagner, je marquerai 120 points. Merci, Chris. Voilà, retour maintenant du côté de cette finale de la poule des As. Deuxième mi-temps, on a vu les perdants, voyons maintenant les gagnants. Oui, enfin, 9 points d'écart donc entre Limoges en vert et Poortaise en blanc. Mais hier, Poortaise avait fait une meilleure deuxième mi-temps que la première. Alors, il faudra sortir le grand jeu, hein, parce que cette équipe de Limoges semble être bien difficile à manœuvrer, ce qui est de bon augure pour les supporters limougeaux avant les playoffs pour le titre de champion. Mais attaque de Jones pour Poortaise. Jones qui ressort pour Didier Gadou pour Nolo. Et qui a raté la balle. Et ballon donc pour les Limougeaux. Et Demory. Demory avec Brooks, Ostrowski, Smith et Dacoury naturellement dans le 5 de Limoges. Brooks. Allez. Il n'a pas beaucoup marqué, 8 points, mais il a été très très présent, hein, l'ami Michael. Oh oui. 11 points d'avance donc pour Poortaise qui pour Limoges avec une attaque de Didier Gadou là. Qui marque son premier panier lui. Et ça fait 45-36 pour Poortaise. J'ai omis de vous signaler qu'il y avait donc Nolo de Ganis, Phillips, Jones et donc Didier Gadou. C'est les 5 de départ du reste de la rencontre. Avec Demory, Demory Dacoury face à Didier Gadou. Voilà, avec une faute à Nolo. Ou Phillips qui se plaint de la cheville, Dacoury qui est au sol. Tout le monde se relève finalement. Faute à Nolo donc. Première faute. Et bon, ça va bien pour Phillips, ça va bien pour Richard. Qui va être donc au lancer franc. Alors que l'équipe donc de Limoges mène de 9 points. Ah, Dacoury qui rate en lancer franc, c'est rare. Hein. Et qui rate, c'est oui, ça. Bien longtemps que je l'avais vu comme enfin, ça. Il venait de chuter, hein, ouais. Ceci explique cela. Il venait d'être blessé un petit peu, un petit choc. Et Nolo donc, pour Poortaise. Didier Gadou face à Dacoury, De Ganis. De Ganis, Didier Gadou qui pénètre avec une faute de Richard Dacoury qui est en retard, oui. Il n'est pas content Richard, mais après lui, c'est sa troisième faute. Brooks a 3 fautes et Richard Dacoury a 3 fautes, que des 2 fautes de l'autre côté. Ça peut être important ça. Hein.
Didier Gadou pour Jones. Jones Phillips. De Maury qui se bat comme un beau diable pour accrocher cet entre-deux entre Phillips et lui. Oh là. Et finalement, eh oui, faute de Nolo. Oui. Faute de Nolo, c'est sa deuxième. Ça, c'est incroyable que Puertas ait perdu cet entre-deux quand même, entre De Maury et Phillips, 2m05 contre 1m78. Mais c'est ainsi, donc ballon pour Limoges avec Smith. Smith Brooks. Brooks contré par Phillips, mais qui récupère quand même la balle. Deux fois contré. Deganis, Nolo. Nolo Deganis qui se perd cette balle, mais incroyable. Que de balles perdues. C'est inouï de perdre autant de balles. Puertas ne peut pas gagner en perdant autant de balles face à une équipe du calibre de Limoges. C'est des balles faciles en plus. Hein. De Maury, De Maury Dacoury. Dacoury Ostrovski, De Maury. Brooks, Dacoury. Ouf, oui, oui, il a marché. Oh oui. Enfin, c'est-à-dire qu'il a glissé et la fait de glisser l'a fait marcher. Enfin, seuls les basketteurs nous comprendront. Et ballon donc à nouveau pour l'équipe de Puertas. En 2 minutes 30, un panier de chaque côté, ça fait pas beaucoup ça. Phillips. Phillips pour Jones. Jones. Non. Récupération de Gadou et le panier est accordé. Richard a beaucoup réussi, le pauvre. Il perd un ballon, il fait un marché, il fait deux fautes. Ouh là là, alors là, c'est très dur pour Richard. Ça le met à quatre fautes, Richard. Il est obligé de sortir et laisser sa place à Dancy. C'est peut-être un tournant de la rencontre, là. Attention. Hein. Alors, Gadou a marqué. Il a un lancer franc. Là, ils sont revenus à 7 points. À 6 points si Didier Gadou transforme ce lancer franc. Voilà qui est fait. Donc, ils sont à 6 points. Et Dancy a remplacé Richard Dacoury. Ah, Dancy, le voici. De Maury. De Maury pour Smith. De Maury. Dancy. Ostrovski. Et voilà, et interception de Didier Gadou. Didier Gadou. Oh, monsieur Malavio siffle. Une faute offensive à Didier Gadou. Pour que cette faute soit effective, il faut que Valérie De Maury soit immobile. Oui, c'est difficile à juger. On va peut-être le voir, là, on a deux secondes. Si Valérie fait un saut de recul, il y a faute. Ah, il s'était bien bloqué, Valérie. Ah, mais nous avons les meilleurs arbitres français hein, en piste, Malavio et Marzin. Ostrovski pour Smith. Smith, De Maury. De Maury Brooks, De Maury. De Maury qui est obligé de tirer de loin et au rebond, c'est Didier Gadou pour Nolo. Nolo Jones. Oui. Et voilà. Psychologiquement, c'est important. Retour à 4 points avec un smash étant mort demandé par Limoges. On va aller écouter les Limougeaux. L'inquiétude a peut-être fait son apparition là. Avec 4 fautes pour Dacoury, 3 fautes pour Brooks. Attention. Left here, Mike here, Pascal, you here, Valérie, and Ken, you know, Pascal pass this, together go, pass back, you together back, and you go corner. You on defense, us on defense, box, you, box you. You John. Voilà, alors pour les amateurs de basket, surveillez bien ce qui va se passer maintenant. Bon, au niveau offensif, on va voir que Monsieur Gomeski vient de mettre au point une tactique que vous avez vue sur son panneau. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir que les Limoges viennent de décider de faire une boîte en défense.
Et on va remarquer que c'est Ken Dancy qui va être chargé de cette boîte. Vous verrez que les 4 Limougeaux seront en défense de zone, tandis que Ken, lui, va se livrer une défense individuelle. On y revient tout à l'heure. Alors que du côté d'Orthez, on fait la zone aussi, hein, puisqu'il n'y a pratiquement pas de shooter à mi-distance. Voilà, Ostrovski et Jones au rebond. Jones. Alors que tout à l'heure, vous avez vu Pierre Seyant en grande discussion avec Freddy Oufnagel qui joue à Paris maintenant. Didier Gadeau qui ressort pour tirer. Gadeau à 3 points. Non. Et c'est Brooks qui a pris ce ballon. Le regard de Brooks sur Gadeau. Et Demory est toujours 4 points d'avance donc pour l'équipe de Limoges. Limoges d'Annecy. Julien. Donc qui est venu justement pour les tirs à 3 points, Julien. Extérieur. Demory à 3 points. Ouais. Une belle attaque de zone à garder dans les écoles de basket. Très belle attaque de zone de la part de Limoges. Alors zone pour Limoges en défense avec une boîte de Ken Dancy sur Jones. Thierry Gadeau. Thierry Gadeau pour Phillips. Pardon pour ceux qui ne sont pas spécialistes de basket, mais une boîte. 4 joueurs en zone, un joueur en individuel sur le shooter adverse, Jones en l'occurrence, pris par Dancy. Voici Dancy, Ostrovski. Non, mais récupération de Dancy au rebond là. Ostrovski, à nouveau pour Dancy. Dancy à 3 points. Quel beau geste. Ah, ils ont fait le trou là. 51-43. Ils sont revenus à 8 points grâce à ces deux tirs à 3 points. Un de Demory, un de Dancy. Nolo. Thierry Gadeau. Nolo. Didier Gadeau. Non. Ah oui, mais ce qui marche d'un côté ne marche pas de l'autre, mais Didier Gadeau et Ostrovski entre deux. Sifflez un peu vite peut-être, monsieur Malabio, là. Enfin bon. Encore les joueurs sont à terre comme ça. Ouais. Ne serait-ce que pour permettre de nettoyer le parquet, parce que les deux joueurs en sueur à terre, sur l'action suivante, vous pouvez avoir un blessé. Donc c'est pas plus mal. Alors, entre deux, entre Didier Gadeau et Stéphane Ostrovski. Bon, il y a 3 petits centimètres de différence à l'avantage du Limougeau. Il a sauté trop tôt, Didier, là. Et ballon pour Demory. Demory qui ressort pour Dancy. Dancy Demory. Demory Brooks. Brooks, mais c'est Jones au rebond avec une faute de Dancy. C'est sa première. Et donc 51-43, ils sont venus à 8 points. Hein. Et très peu de fautes dans ce match. Même si Richard a couru en a 4. 13 et 10 de chaque côté. Nolo. Nolo. Thierry Gadeau pour son frère Didier. Nolo. Nolo. Thierry Gadeau. Nolo. Pour Phillips. Et faute à Stéphane Ostrovski. C'est sa première. À noter que sur le terrain, il y a Nolo, il y a les deux frères Gadeau. C'est un beau succès pour Orthez et pour son école de formation, car ces joueurs sont arrivés très tôt. Phillips. Non, oh là là, c'est vraiment... Ça, c'est un handicap avec les nouvelles règles. Lorsqu'on est maladroit dans ses fins. On est contre 40% de réussite. 17 points pour Phillips. Et voici donc Limoges à 7 points, mais d'avance, mais avec le ballon. Demory. Demory avec une faute à Thierry Gadeau. C'est sa deuxième. Ballon donc pour Limoges avec Dancy. Dancy Julien. Julien Demory. Ostrovski. Oh oui, complètement raté son tir. Et Phillips a pu récupérer pour Nolo, Nolo Jones. Toujours cette boîte. Didier Gadeau pour Phillips. Et oui, on joue dessus et ça marche. Et Phillips très opportuniste avec un sens inné de la position préférentielle. 8 sur 9, que des shoots faciles pour Phillips. Et 5 points d'avance pour Limoges. Demory. Dancy. Dancy.
Rostrovski qui a récupéré. Oh, le contre-ballon sera, le panier sera accordé. Le ballon, vous connaissez la règle, le ballon est contré dans sa phase descendante. 53-46, donc 7 points d'avance pour Limoges. Ballon pour Didier Gadou et faute de Julien qui bougeait. Sa deuxième faute, Julien. 5 fautes pour Limoges contre 4 fautes pour Orthez. Alors qu'il reste 12 minutes et 33 secondes pour être précis. À 3 points, Jones. Ouais. Ah, ça monte bien du côté de Orthez. 4 points, il n'y a pas grand-chose entre les deux équipes. 4 points, ouais, c'est vrai qu'il manquait de tireurs à 3 points. Si John se réveille, ça peut relancer un peu la machine de Portez. Julien pour demeurer avec une faute. Ouais. Involontaire, il était emporté par son élan. C'est un match assez crispant, Bernard. Un match, on sent que ça doit... C'est un match, si on regarde après une opération d'appendicite comme Sophie Père, il faut se décontracter dans son lit, il ne faut surtout pas s'énerver. Hein. Oui, ah ben, la pauvre, elle est un peu crispée là. Okay. Le match est tendu, c'est vrai. Ah, la faute à Thierry Gadou. Les trois fautes commencent à s'installer. Ouais. Côté orthésien. Demoré. C'est bien joué ça. Brooks qui est au rebond, il l'a bien senti. Oh, et pour Dancy, c'est bien fait. Il y a peut-être 3 secondes de Dancy, mais c'est bien joué. Très bien joué, ça fait 6 points d'avance pour Limoges. Ballon pour Thierry Gadou. Thierry Gadou pour Jones. Jones, oui. Super. Super, fantastique, quelle belle action collective. Oh, que c'est bien fait ça. 20... Comme Limoges en première mi-temps. 21 points pour Phillips. Ah, quand ils se mettent à jouer tous les deux aussi, ces deux-là, c'est pas mal. Hein. Et Phillips... 4 points. Regardez, Phillips, il a toujours le sens de la position, il est toujours où il faut. Et il ne marque que des paniers à 50 cm. Oh, John, panier accordé, il estime que c'était en phase descendante. C'est litigé. Oh, c'est dur. C'est dur d'arbitrer le basket. Didier Gadou pour son frère. Et qui marque. Et Gadou, plein de sang-froid tous les deux. Bon match, là, c'est redevenu un bon match de basket. À 4 points, hein. ils sont là pour Orthez et Limoges souffre. Dancy, Demoré pour Julien. Julien, non. L'homme des 3 points, mais c'est Phillips qui a pris la balle pour Jones. Jones qui a voulu tenter quelque chose de difficile avec Didier Gadou. Oui. Quel manque de patience. C'est sûr, parce que Phillips n'était pas arrivé. Non. Et ballon quand même avec une faute de Demoré. Oui. Troisième faute. Et Richard qui va revenir, Richard Decoury. Et ses 4 fautes. Et oui, il est sûr que Alexandre Gomelski sent que c'est peut-être le moment là, parce qu'il y a 4 points d'écart. C'est Portes qui a la balle. Ah, beau final en perspective à 10 minutes 25 de la fin. Nolo. Phillips. Phillips, Thierry Gadou, Nolo. Il y a une faute de Dancy, là, deuxième. Oui, c'est l'inconvénient lorsqu'on fait une défense individuelle aussi précise. Dancy sur et Jones. Et d'ailleurs, il l'a compris, Gomelski, puisqu'il change des rôles et il fait rentrer Clinton Smith. Et Decoury. Et Decoury, ils sont revenus avec leurs 5 majeurs. Et donc, 7 fautes pour Limoges, c'est-à-dire que maintenant, toutes les fautes occasionneront des lancers francs. Didier Gadou. À 3 points, non. Jones met le ballon pour Didier Gadou, qui redonne à Jones. Non, un ballon récupéré par Demoré. Ouh, si le match s'est joué là. Ah là là, c'est tendu. Smith pour Brooks. Brooks pour Decoury. Oh, fantastique, Richard Decoury. 5 sur 6 à 2 points. 3 sur 3 à 3 points. Fantastique. On retrouve les grands Limoges Orthez d'antan. Et ça fait 7 points à nouveau.
Jones. Non, mais Jones qui va au rebond, qui est pris par Dakoury ce rebond. Ah, ça a peut-être été le tournant du match, oui, oui. Ça va. Dakoury a peut-être gagné le match sur ces deux actions. Regardez, il est tout seul, il va encore shooter à 3 points. Non. Ah, il a perdu la balle, mais il la récupère. Elle sera pour Limoges, cette balle. Oh oui. Alors que Michel Gomez essayait de, d'influencer les arbitres. Temps mort demandé par Michel Gomez. Les joueurs s'assied. Et Michel va pouvoir leur parler. Faut pas trop en faire. One pass, one shoot, it's not good for you. Ok. Travaillez davantage. Faites-les travailler au niveau. Jouez intérieur. Élargissez leur box and one. D'accord. Et jouez soit intérieur. Hein. Ils sont encore en box là. Dakoury a 4 fautes. D'accord. Thierry, joue un peu plus loin, mais joue en mouvement. Joue en mouvement, joue dans leur dos des défenseurs. D'accord. Ils flottent constamment. Sur Richard, il faut essayer d'aller la chercher. N'aide pas, je l'ai dit au début de match. D'accord. N'aide pas, ça sert à rien, c'est plus Julien maintenant. Donc reste sur lui. Ok. D'accord. N'en faisons pas trop, tranquillement au niveau passe. Tu regardes, on fait fist. Ok. Mouvement, 3-4 passes, travaillons. Et good defense. D'accord. Allez, let's go. Voilà, il n'y a pas le feu à la maison, vous le voyez autour de Michel Gomez, mais il sent qu'il faut calme, être vigilant. Hein. Alors, figurez-vous qu'en réussite, eh bien, Sportez à 56% et Limoges 48%. Ah ouais, mais Limoges a réussi 9 rebonds offensifs. C'est ça qui fait la différence, 9 rebonds offensifs. Contre 2 seulement de l'autre côté. Alors, ballon pour Limoges qui a 7 points d'avance. Il reste 9 minutes à jouer. Ballon pour Dakoury. Dakoury Smith. Smith qui ressort pour Richard Dakoury. Pour Demoré. 30 secondes. Et oui, bonne défense donc de Puertes. C'est la conclusion. Ils n'ont pas tiré assez vite. Et ballon donc pour Puertes. Et ballon pour Didier Gadou. Il m'en semblait un peu court ces 30 secondes, non ? Non, mais il y avait la remise en jeu. Oui, mais quand même. Et non, parce que ça ne compte pas quand il y a une. On remet en jeu. Oui, oui, mais tout de même, j'ai pas été surpris. Ah bon. Comme les Limougeaux, j'ai été surpris. Ben voilà. Alors, ben en tout cas, c'est ballon pour Jones. Jones face à Schmidt, à Smith, mais ballon pour Nolo, mais qui n'a pas pu tirer là. Il était pris par Ostrowski. Thierry Gadou qui ressort pour Phillips. C'est pas le moment de rater. Dakoury au rebond, vous avez vu. Et Demoré en contre-attaque pour Ostrowski. Ostrowski, Didier Gadou. Oh, super. Ah oui, Didier Gadou, super. Phillips. Quel manque de patience encore. Mais c'est pas possible que Ortez puisse perdre autant de ballons. Oui. On peut dire que s'ils sont battus par Limoges, c'est à la fois la perte de ballons et les lancers francs. Les deux cumulés, ça fait beaucoup de points. Là, parce que c'était vraiment une contre-attaque facile. Jones était tout seul et Phillips a complètement raté sa passe. Et Demoré. Demoré pour Smith. Dakoury. Ah, s'il marque là. Non. Et c'est Phillips. Non, finalement, ballon pour l'équipe de Portes. C'est Smith qui a sorti cette balle. Et Anderson va rentrer. Anderson à la place de Thierry Gadou. Alors, si Anderson peut placer son shoot une ou deux fois, ça fait bien pour. Signaler que du côté de Puertes, Ortega ne peut pas jouer, il est blessé à la main. Ça, c'est un petit handicap dans la mesure où il est à droit quand même, Ortega. Il est annoncé partant. Oui. Mais oui, puisque Demoré doit arriver. Nolo, mais ça, c'est pas encore officiel parce que, encore une fois, les mutations se font à partir de mai. Jones à 3 points. Non. Et c'est récupération de Phillips qui a pris Ostrowski qui prend la jambe. Et oui, c'est la faute. C'est sa deuxième. À Stéphane Ostrowski qui avait le ballon, qui se l'est fait chipper par Phillips. Et il a fait faute. 1+1 donc Phillips. C'est pas son truc, on l'a dit. Mais non, c'est pas son truc à Phillips. En fait, il s'est refait un peu tout à l'heure. 3-6 pour l'instant. Oh. C'est grave, c'était 1+1. Et
c'est grave, c'est gravissime ça. Si Limoges marque, c'est mal barré pour Courtez. Ah, il reste 7 minutes, remarquez. Hein. Mais... pour revenir sur Limoges en fin de match, c'est pas évident. Hein. Ils ont du métier. Hein. Ah, ils ont des joueurs, c'est clair. Hein. Dacoury à 3 points. Non. C'est Smith qui a récupéré la balle. Et Demory à nouveau. Demory Smith. Smith Brooks. Brooks qui ressort. Stéphane Ostrowski. Oh là là. Qui a essayé de pénétrer en force. Il s'est fait contrer. Et ballon pour Nolo. Nolo Jones. Jones Anderson à 3 points. Oui. Vous disiez tout à l'heure, si Anderson peut placer un ou deux shoots, ça peut faire du bien. Et les voilà à 4 points. Ça change à tout. À nouveau, pourrait-on dire. Ils sont venus tout le temps à 4 points, mais ils n'arrivent pas. Hein. Ils n'arrivent pas à revenir à la hauteur. Ils sont pédaliers pratiquement. Vous dites ça parce que nous faisons Paris-Roubaix dans 10 jours. Mais rien n'est gratuit. Ah, bon contre, marché. Oui. Aïe. Superbe contre de Jones sur Smith. Et comme il est redescendu avec le ballon, c'est marché. Ouh là 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 là. Regardez, on va le revoir ça. Première défense d'Anderson et là, hop, vous savez c'est dur d'arbitrer parce qu'il peut aussi bien siffler faute. Ouais. Ah, l'importance de l'arbitrage au basket. Et Didier Gadeau pour Anderson. Phillips. Aïe. Et voici 2 points, 60-58. Ils sont à 2 points avec Demory. Et à vos côtés, Monsieur Juilly apprécie. Et oui. Il l'a dit à la mi-temps, notre directeur général est présent et... semblait assez emballé par cette finale du tournoi des As, qui est un prélude des playoffs. Alors par match aller-retour plus match d'appui, je vous dis pas. Du reste, on envisage lors de la conférence de presse de la Ligue ce matin, on envisage pour les années à venir de faire une finale des playoffs, peut-être même demi-finale, avec au meilleur des 5 matchs. Oui, 5 matchs pour la finale. Et puis on parle également et... de 2 manches gagnantes également pour les 8e. Alors pour l'instant, oui. Non, mais ça pour l'année prochaine, c'est officiel. Ouais. Sam Mulhouse et Gravelines seraient tout à fait d'accord. Hein. Bon. Interception d'Anderson. Nolo pour Gadou. Aïe. Et le ballon est sorti. Et à suivre le match Ostrowski-Anderson. Et à mon avis, si vous voulez, moi j'ai le nez dessus. Ouais. Le ballon n'était pas sorti, mais M. Marzin était de l'autre côté. À mon avis, il n'a pas pu le voir, mais il s'est fait un peu influencer par Gomelski. Enfin bon. Parce que comme il était placé, M. Marzin, il était de l'autre côté. Difficile, mais enfin. Demory. Oh, contré par Jones. Jones. Et la faute est à Stéphane. Stéphane, oui. C'est sa 3e. Oh, j'ai eu peur pour Limoges que ce soit Dacoury. Il vaut mieux pour eux que ce soit Stéphane Ostrowski. Mais là, Jones a la possibilité d'égaliser pour Portez à 4 minutes 55 de la fin, dites-moi. Et oui, Portez-Limoges, c'est un classique sur Antenne 2. Eh bien, tous les classiques de ce type se terminent dans le plus grand suspense. La tradition respectée pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre, j'espère. Aïe. Le premier réussi, plus qu'un point. Retenez votre souffle, 4 minutes 55 qui vont compter cette saison. Et c'est fait, égalité, 60 partout à 25 minutes de la fin. Coubertin est en délire. Et Smith à la balle pour Limoges. Ah, les supporters d'Orthez qui sont venus là sont déchaînés là-bas. 9 points à la mi-temps et voici l'égalisation pour l'instant entre pénétration de... Oh, il a raté Stéphane, c'est rare hein, quand il rate ce genre de panier. Patience pour Orthez, patience. Gadeau. Non, et Smith a récupéré. Pourquoi manquer de patience comme ça et ne pas jouer intérieur? Dacoury pour Smith, oh là là. Ouh, que c'est crispé tout ça. Demory Dacoury, Ostrowski. Oh! Non, c'est raté. Et Didier Gadou. Oh, il avait mis le coup d'épaule quand même. Hein. Nolo a compris qu'il fallait faire patience maintenant.
et réinstaller le jeu de Puertas à 3 minutes 50 de la fin. 60 partout. Lolo. Gadou. Phillips face à Ostrovski. Jones, bien joué. Ouh, que ça fait du bien ça pour Puertas de prendre l'avantage à 3 minutes 30 de la fin. 14 points, vous l'avez vu pour Jones, 23 pour Phillips et 2 points d'avance pour l'équipe de Puertas avec le Suisse qui a la balle, qui pénètre avec une faute à Jones. C'est sa troisième. Troisième faute pour Jones. Ah, quelle tension, Bernard, c'est extraordinaire. Il y a longtemps qu'on n'a pas vécu ça. Nos amis des Fer 3 ont eu la chance d'avoir un final de ce type il n'y a pas longtemps. Mais là, on se régale pour cette finale de la poule des As. Alors, égalisation possible de Phillips, de Suisse, et raté. Et c'est Didier Gadou qui a récupéré. Et ballon donc pour Puertas qui a 2 points d'avance à 3 minutes de la fin. Camp. Nolo. Nolo. Jones. Oh, il y a des individuels pas mal là-dedans. Hein. Oh là. Oh là là. Oh, Phillips qui a fait une faute encore là. Smith. Il est capable de le rater, oui. Brooks. Non. Ballon récupéré pour... Non, c'est Smith. Ouh. Ah ouais. À revoir si nous avons une caméra en face. Ce ballon coûte cher. Tout le monde est debout. Regardez les supporters de Puertas. Marqué, il se mélange avec ceux de Limoges puisque les couleurs sont les mêmes. Regardez, regardez. Ce ballon coûte cher. Vite, 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 vite. Oh. Ouais, c'est ouais, Smith. C'est Smith, hein. Non, c'est raté pour Demoré qui a tiré, c'est Jones qui a récupéré la balle. 2 minutes 30. Oh là là. Et ballon pour Puertas, donc Nolo. Julien va rentrer pour Limoges et pour un tir éventuel à 3 points. Incroyable de manquer des ballons pareils. Smith. Et panier accordé. Bien joué Smith. Superbe ce qu'il a fait là Smith. Là il a justifié son transfert. Il est allé marquer, provoquer la faute. Deux erreurs d'enfance de la part de Puertas, incroyable. Ouais, d'aller faire faute là sur le shoot. Dans ces cas-là, surtout ne pas faire de faute. Et d'aller surtout perdre ce ballon tout à l'heure. C'est incroyable, manque de métier là de la part de Nolo. Mais c'est, non, c'est Phillips. C'est oui, Nolo qui perd le ballon tout à l'heure. Eh oui. Et Phillips qui fait la faute. Ah, c'est dommage parce que Puertas avait le vent en poupe. Enfin, non, c'est pas. C'est 62 partout. Hein. 62 partout à 2 minutes 15 de la fin. Phillips. Smith au lancer franc. Quel beau final. Smith. Ouh, non. Et ballon récupéré par Anderson. Ça sent la prolongation. Oh là là. Égalisation parfaite. 62 partout, 9 fautes de chaque côté. Et ballon pour Nolo. Du coup, Gomez a retiré la veste. Hein. Gomez qui a gardé la sienne. Il a bien. Qui va prendre la responsabilité du shoot, à votre avis? Anderson pour Phillips. Phillips Anderson. Didier Gadou. Cinquième de Richard. Ah, il a... Oui, oh là là. Oh que c'est sévère. C'est sévère. Oh que c'est sévère. Oh c'est sévère ça. Ils expliquent avec Marzin. Elle est importante cette faute-là. Richard toujours très sport. Oui, il sort et c'est Dancy qui va rentrer. Prenez exemple, vous qui jouez au basket dans des divisions inférieures. Une cinquième faute qui coûte très très cher. Richard a couru un mot à M. Marzin pour lui dire j'avais la balle dans les mains. Et ouais. Il s'en va sans rien dire. Oui, c'était pas évident, mais enfin bon. Ouais, ne prenez, prenez exemple sur Richard, c'est bien. Eh bien, ils ont été parfaits tous, tu restes. Hein. Ah, les joueurs sont irréprochables, on ne dira jamais assez. Comme d'ailleurs dans tous les clubs, on a un très bon esprit dans le championnat de France de basket. Didier Gadou, premier lancé franc réussi. Le deuxième également, ça fait 2 points d'avance pour Puertas. 64-62 à 1 minute 45 de la fin. Ouh. Dancy. Dancy Ostrovski. Demoré. Demoré Dancy. Dancy Brooks. Bien contré. Bien contré, c'est Jones qui récupère la balle. 1 minute 30 à jouer. Et Nolo, allez, on écarte, on se calme et on va jouer à la limite des 30 secondes, oh, pas Gomez. Certainement. Ah, quelle aventure pour Michel Gomez. Anderson qui a fait semblant de tirer à 3 points, il n'a pas osé. Hein. Phillips,
On va choisir un jeu intérieur peut-être. Philips Nolo. Nolo Anderson à 3 points. Oui. 2 points de l'arbitre, 2 points seulement. 66-62, 4 points d'avance. Il reste moins d'une minute à jouer. Et Demory qui rate cette passe à Dempsey. Aïe aïe aïe, Ostrowski se prend la tête. 55 secondes à jouer, 4 points d'avance pour Cortez qui a la balle. Avec un temps mort peut-être, non, la table est appelée. Non, non, monsieur Malabieu regarde la table, si temps mort demandé. Oui, oui, oui. Temps mort, oui. Temps mort demandé par Limoges. Ouh là là, 54 secondes à jouer, mais c'est encore possible, pour Limoges. Écoutons Alexandre Gomelski. On attaque le 3 du côté de Pascal. Le premier à passer, c'est Ken. On reste bien solide sur le double. Et après, Pascal à 3 points. Pascal Julien qui respire très fort, car vous l'avez entendu, ça se jouera sur un shoot à 3 points de Pascal Julien. Et croyez-moi, du côté d'Orthez, alors que vous renvoyez là cette action, eh bien, du côté d'Orthez, avec le shoot d'Anderson à 3 points, qui ne vaut que 2 d'ailleurs, eh bien, ouais. Du côté d'Orthez, on doit s'attendre à ce shoot à 3 points de Julien. Regardez Pierre Seyon. Oh, ouais, il est crispé. Il est crispé. Le ballon pour Philips Orlando. Oh, que c'est bien fait tactiquement, ça. 6 points d'avance pour Pau Orthez. Julien à 3 points. À moins de 45 secondes de la fin. Tir de Julien. Oh, non, raté. C'est fini. Ballon pour Anderson. C'est fini. Orthez va gagner son premier tournoi des As. Jones qui va garder la balle, bien sûr. On va la garder du côté de Pau Orthez. Nolo. Et voilà, c'est le final. Et oui. Et c'est une victoire pour Pau Orthez, on peut le dire, de Michel Gomez. Gomez est fou de joie. Parce que Michel Gomez, avec une équipe qui n'a pas les noms de celle de Limoges. Gomez et Seyon qui sont... On va laisser finir la rencontre. Non, ballon pour Dempsey, il reste 12 secondes à jouer. Dempsey, il faut tirer à 3 points là. Ouais. Tout peut arriver. Dempsey à 3 points, impossible, dans un tir impossible, 3 secondes. Ouh, qu'est-ce qu'il fait là, Dagadou? Et c'est la fin! C'est la fin! Avec ce shoot de Demory. Un mot de Michel Gomez et nous allons à la pub avant de revenir à la coupe. Michel Gomez, impossible de l'attraper. Bien sûr, Michel! Troisième victoire en poule des As, c'est peut-être celle qui fait plus plaisir. Oh, celle-ci a fait beaucoup plaisir parce que c'est avec une équipe de jeunes. C'est quelque chose de formidable parce que bon, on n'y croyait pas, on était venu ici en petit, en outsider, voir un peu pour apprendre. Et je crois que là, les joueurs, ils ont fait un super truc. Et on ne sait pas quoi dire sur des moments comme ça, mais je pense qu'il y a eu du très beau basket. Merci à tous. Merci bon, Michel, à nouveau en tout cas. Un tout petit détour par Paris pour la pub et on revient pour la remise de la coupe. Si ce trophée que M. Ben Lespito et le président David vont remettre à Michel Gomez, à l'équipe d'Orthez, au président Seyon, qui est près de Patrick Chen, j'imagine. Oui, oui, tout le monde s'approche du trophée, là. C'est la joie. Bah, écoutez, c'est la grande discipline. Tout le monde est bien en place. Et on va aller rejoindre Pierre Seyon, d'ailleurs. Pierre Seyon, alors, celle-là, vous allez l'arroser comment, celle-là? Je sais pas, mais en tout cas, on va l'arroser. Je suis très heureux parce qu'ici Coubertin pour nous est une salle de fétiche. Il y a 7 ans, on gagnait ici la Coupe Corac, presque jour pour jour. Ici, on gagne la Coupe des As. Oh, ben, moi, j'adore venir à Paris et finalement, je crois que plus j'irai et plus je souhaiterais qu'on ait des compétitions ici importantes. Et oui, il y a 7 ans avec un certain Mathieu Bissigny à genoux. Oui, et vous savez, j'ai une pensée pour Mathieu et pour les anciens comme Duquesnoy, comme Perpère, comme Alain Roquis, Siflaguet qui était avec moi ce soir. Ce que j'espère surtout, c'est que pour une équipe en pleine reconstruction, on ira vers les plus hauts sommets. J'ai juré il y a 2 ans à Orthez qu'on prendrait le titre à Limoges. Et bien, dans un an, j'espère que ce sera chose faite. Eh bien, on vous laisse prendre possession de votre trophée. Je ne sais pas où. Voilà, je crois qu'il est revenu. D'ailleurs, il est à vous, vous pouvez le prendre. Ah, vous voyez, c'est la photo de famille. Et ça va rester comme un beau souvenir du président Ben Lespito. Je vous laisse commenter ce moment, Bernard. Oui, oui, et bien le président Ben Lespito, qui est le président de la Ligue, qui va donc remettre avec à sa droite le président David. Je ne sais pas si le président d'Orthez prendra à Limoges le titre de champion de France d'ici quelques années. En tout cas, ils viennent de leur prendre ce trophée du tournoi des As, puisque c'était Limoges qui avait réussi le grand chelem la saison passée, qui avait avec Michel Gomez. Et bien Michel Gomez le garde en tout cas, et c'est Paul Anderson, le capitaine de cette équipe de Pau Orthez, qui prend donc le trophée, comme le disait le président Seyon, ce Coubertin rénové porte-bonheur à Pau Orthez, qui avait fait ici un triomphe lors de la Corac, un mini tour d'honneur
avec les supporters de Portes qui ont fait le déplacement. Il y a un quart qui est venu. Beau succès donc de Portes face à Limoges, 68-65. Et comme on le disait, eh bien cela nous annonce des quarts de finale, demi-finale et finale à sensation. En tout cas, ça aurait fait une bonne cote s'il y avait des bookmakers sur le basket. Parce qu'il faut bien être honnête dans le public, même les grands supporters d'Orthez, personne ne s'attendait à un tel final cette année. Michel Gomez l'a dit très bien, ils étaient là pour voir, pour apprendre, mais ils ont réussi un bon coup. Ah oui, parce qu'en fait, peu de spécialistes donnaient pour Orthez, même dans le carré d'As. On voyait plutôt Mulhouse, vu le recrutement de la saison passée. Mais il faut croire que Michel Gomez est un magicien, parce qu'avec cette équipe, il a réussi à faire un vainqueur du tournoi des As. Et ça, ce n'est pas une mince performance. Avec victoire, s'il vous plaît, face à Antibes, qui avait dominé toute la saison. Et enfin, face à Limoges. Voilà donc 68-65, victoire et trophée du tournoi des As pour l'équipe de Pau Orthez devant Limoges. Ici Coubertin. À vous, mon cher Daniel Casal.